Salut les lancers Cospio, et comme vous pouvez voir aujourd'hui, nous sommes de retour dans le laboratoire de mon grand-père. Eh bien, on a pas mal dormi, hein. Ouf, on avait besoin de sommeil, hein. Bon, bonjour Squee, comment ça va depuis la dernière fois? À savoir hier. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Calcutane. Ah, c'est une lettre de mon grand-père, ça, non? Qu'est-ce qu'il me veut? Bonjour Calcutta, très bien. Ses aventures se passent bien, il espère que tout va bien à la maison et qu'on s'amuse bien. Il a rencontré un gars qui s'appelle Gan, oui, ok. Et il veut construire quoi? Un métro en Inde, d'accord. C'est un gros rêve, effectivement. Hein. Il voudrait une potion de Cat's Eyes, d'accord. Ok, bah en même temps, s'il veut travailler dans le noir, c'est pas bête comme idée. Et nous, il nous faut quoi alors? Du diamant et des soleils. Et qu'est-ce qu'il y a comme ingrédient qui peut nous permettre de faire ça? Il y a que trois trucs, là, je sais pas, et c'est pareil, on s'ira pas. Bon, ça c'est Cat's Eyes, on a compris. Hop. Ah, la carambole! La carambole, si on vire le truc, c'est nickel. Et après, si on la raffine, il y a moyen de récupérer. Donc, à rigueur, avec deux caramboles, on pourrait s'en sortir. Je pense que deux caramboles, ça serait le bon plan. Ah, ou sinon, on prend une healing herb. Ça sert à rien, en fait. À moins que on en puisse pas en acheter. Et du parsley aussi. On va voir le prix des ingrédients, tiens, déjà. Hop. Squee, est-ce que tu peux m'aider? La carambole. Ok. Et ça, c'est... Ah oui, non, c'est moins cher l'Erling Herb que la carambole, qui coûte 350 quand même, la carambole. Hein. Ouais, et là, c'est un Persley, 160. Ah, alors soit on part sur une carambole, qu'on coupe en deux. On peut tenter ça, effectivement, oui. Je partirais bien sur... Parce que les autres, on pourra pas faire autrement, hein, à mon avis. Je vais vérifier, mais il me semble que les autres, il y a que un seul... Que le diamant, je crois, ouais, il y a que le diamant, d'accord, et on ferait 3 éventuellement. Donc ça servirait à rien. Par contre, si je pars sur une carambole, qui vaut le prix de deux ingrédients en tous les cas, et genre lui là, parsley, on est pas mal. On va essayer ça. Hop, bon, ça j'en ai plus besoin pour l'instant. Ce qu'on veut, c'est un diamant et deux soleils. Je vérifie quand même avant de faire des bêtises. Donc là, si je vire de ce truc là, la partie épée. Donc épée, c'est ouais, truc là, ici, il me semble. L'ordre et le chaos. Je récupère ça et je peux directement le mettre dans le chaudron. C'est ce qu'il me fallait. Hop, ensuite, il faut récupérer un soleil. Alors, et en partant de ce diamant-là, on peut le laisser dégrader pour obtenir un soleil. Si je ne m'abuse. Hop, en le mettant ici. You destroy all aspects in... quoi? Ah, je résonne à l'envers, d'accord, donc c'est pas ça, il faut que je le mette dans le mortier. Oh oui, mais heureusement qu'elle est là, Squee, quand même, parce que je suis en train de faire une bêtise. Ah oui, si je le mets là-dessus, ça va passer au-dessus. Ah oui, non, il faut pas. Heureusement que t'étais là, Squee, finalement. S'il te plaît, on parle pas à mon grand-père. Hein. Il va m'en vouloir. Voilà, allez, on touille. Est-ce que pour l'instant, je peux pas prendre un autre courrier pour anticiper? Non, il faut d'abord que je fasse une suite ici, voilà. Tada! Et une potion d'œil de chat. Non, je vais pas la vendre, je vais la donner pour... Oh, yeah. Voilà. Mais j'espère aussi. Mais tout à fait, oui. Oui, bah tu lui parleras pas de la petite erreur que je viens de faire, hein, s'il te plaît. comment ça nettoyer? Bah c'est pas toi qui dois le faire, normalement. Ah d'accord, tu parlais d'un truc qui permettait de nettoyer les trucs qui m'intéressent pas, d'accord. D'accord. Ah oui, donc j'ai accès à un nouvel équipement parce que j'ai assez évolué. Ah, je fais une petite erreur et j'ai quand même accès à un truc qui permet peut-être de nettoyer les ingrédients. D'accord. Ouais, c'est tout cassé. C'est tout cassé, comment ça se fait? Allez, là, le cleaner, d'accord. Négatif, polarisation, positif, polarisation. D'accord, en fait, à chaque fois, il y a un aspect positif et un aspect négatif. Genre, l'ordre est le chaos, forcément. L'ordre, c'est positif. Le chaos, c'est négatif. Bon, après, ça dépend des goûts de chacun. On va dire que c'est ça. Et donc, je peux supprimer carrément une branche. Ah, et donc, si je fais ça, plus la découpe, je peux retirer deux niveaux d'impureté. Ah, et donc, je peux vraiment verrouiller sur un truc. Ah, ça devient intéressant, franchement, ouais. On va qu'on essaye ça pour une prochaine potion. Mais justement, qu'est-ce qu'on nous propose, là? Un étrange pompier. Ils veulent quoi? Une potion de résistance à la chaleur. D'accord.
Je connais pas cette personne, si j'ai déjà travaillé pour cette personne-là, je me souviens plus parce que le petit rat là il me parle pas. Voyons voir. Comment fait-on? Il nous faut. Ah, c'est une potion d'invisibilité, d'accord. Il nous faut des yeux et un mec qui voit rien du tout. D'accord. Donc les yeux. On aurait ça sur quoi? Il y a personne, hein, par le fouga qui a un petit peu. Ah, les bugs. Mais je crois que j'avais déjà fait une potion avec trois insectes. Hein. Ça marchait, il me semble. Ouais. Ouais, ça me parle. Au pire, on peut partir soit sur une Harpy Fissure qui permettrait de récupérer ce truc-là. Environ les deux aspects qui m'intéressent pas. Soit je pars sur un bug. Qu'est-ce que t'en penses, Qui? Un bug, ça coûte 350. Ah ouais, quand même. Alors qu'une Harpy Fissure, ça coûte moins cher. Donc j'ai envie de tester sur une plume de harpy et un bug pour faire la base quand même, je pense qu'il va falloir quand même un truc. Voilà, hop, merci. Il se fait quelle heure là? Oh, il est déjà 2h de l'après-midi, on va pas très vite, en même temps on découvre plein de nouvelles mécaniques, forcément ça aide pas. Hein. On n'avait pas vu ça en cours, c'est cool, ça change un peu. Ça faut que je vire quoi là? Ce truc là, c'est quoi? C'est ce truc là, d'accord, donc hop, on vire ça. Et si je le fais sécher, normalement je suis bon. Hein. Je vais vérifier avant de faire des bêtises, ouais c'est ça. Il faut que j'aille d'un cran en arrière. Donc, on va faire sécher un insecte, on a déjà la 3 quarts de la potion qui sont faites, ouais, les 2 tiers. Ensuite, par contre si je prends ça, et que je vais nettoyer. Nettoyer par contre, je sais pas trop quoi nettoyer. Positif ou négatif? C'est positif ou négatif? Ça, je pense que c'est négatif. Hein. Ah oui, parce que ce qui est positif c'est la lumière. Il faut que je retire le positif. Là, je mets dans le truc, ça se nettoie, très bien. Pendant ce temps-là, je vais récupérer mon insecte broyé, que voici. Je vais le mettre dans le chaudron, voilà. Et on va voir si mon nettoyage est terminé. Tada, nickel, ça a retiré le feu. Donc, je vais là-dessus et je vais retirer l'air. Donc l'air, c'est, si j'ai pas de bêtises, l'ordre et le chaos. Voilà, il me reste plus que l'aveugle. Sauf que moi, dont j'ai besoin, bah c'est lui, justement. Et hop, nickel, voilà, et on touille. Ça coûte moins cher, parce que je crois que la dernière fois que j'avais fait cette potion-là, ça a coûté 3 insectes. On a économisé facilement 160 pièces. C'est pas rien. On fait des petites économies, c'est intéressant. Grâce à ce nouveau nettoyeur. Oh, je vais en parler au pote, là, il va être content, lui qui veut devenir prof de potion. Je sais pas s'il connaissait ce concept-là. D'accord, on va attendre pour voir s'il y a une nouvelle commande. Bah oui, bah celle-là, là. Minor Haze, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il me dit de beau, celui-là? Alors, Gildéon Mineur, je connais pas ce mec-là. On m'a parlé de vous, qui me dit. D'accord, ouais, je travaille sur du cuivre. En local, bah bien sûr. Il veut une potion pour voir dans le noir. Bah j'en ai fait une juste avant, justement. En fait, le mec est mineur et il veut une potion pour voir dans le noir. Bon, bah, nickel. C'est la même que tout à l'heure. Cat's Eyes, je viens d'en faire une. C'est con, si j'ai su, j'en ai fait deux. Hein, d'accord, Squee. Alors, voyons voir. Il me faut de la lumière. Et moi, j'avais pris quoi déjà? J'ai déjà oublié. Mais c'est pas possible. Oui, j'avais pris un carambole et un parsley. Allez, on part sur la soie, c'était très bien. Un carambole. Et un parsley, s'il vous plaît. Voilà. Et au pire, on peut en faire d'autres. Hein. Deux caramboles. Et deux parcelles. On va essayer d'en faire quelques-unes avant de se coucher, tiens, parce que j'ai beaucoup d'argent à investir, autant en profiter. Ah, mais c'est vrai qu'il y a l'option au trading. Ah, c'est potion de résistance de feu qui était plus intéressante aujourd'hui. Ouais, mais j'ai pas fait attention. C'est pas grave, allez. Juste comme ça, je vais faire trois fois la même. C'est plus simple. Alors, je prends carambole et je retire l'ordre du chaos. Nickel. Et parcelles, je vais devoir la mettre au mortier après l'avoir. Excusez-moi. D'abord, on récupère ça. Très bien. Ensuite, ça, je retire la vie. Je lui retire la vie. Et je vais la couper au mortier. Voilà. On va faire la même avec celle-ci. Hop, comme ça sera fait. J'ai travaillé un petit peu à la chaîne. Hein. On va rattraper cette fin de journée, parce qu'on n'a pas fait grand-chose aujourd'hui. On touille, on touille, on touille.
Hop, ça pareil, la carambole, on va tout de suite couper le truc qui m'intéresse pas, à savoir l'ordre et la justice. Voilà. Ça par contre, non. On peut pas le mettre dans le... Oui, bah c'est pas grave, on va le mettre là, hop. Est-ce que tu peux prendre ça pour la quête? Nickel. Wow, on a pris un niveau, très bien. Oui, bah non, je travaille, je sais. Prendre d'autres trucs. Ouais, non, mais je peux pas, j'en ai plus. Mais non, enfin, en général, oui. Bah oui, on peut, bah c'est ce que j'essaie de faire, là, comme tu regardes. J'arrive à assurer toutes les commandes tous les jours, quand même. Pour l'instant, on est plutôt bien. Moi, je dis. Hop, ça, directement, là-dedans. Touille. Il y a moyen d'en faire encore une, allez. Oula, par contre, j'ai pas lancé la découpe avant de faire ça. On va faire de bêtises, hein. Voilà. Et une potion. Allez, si tu peux me vendre ça, s'il te plaît. Oui. Voilà. Ensuite, ça, dans le mortier. Ça, hop, on retire la partie qui m'intéresse pas. Et directement dans le chaudron. Ouk. Et touillage. Bon, bah on a plus d'ingrédients en stock. Il faudrait commencer à essayer de faire du stock un peu quand même pour pas avoir à chaque fois à galérer avec les commandes. Mais bon. Essayer de mettre de côté. Alors, oui, la potion. Tiens, Squee. C'est la dernière. Je vais me pioter. Il est quelle heure? Oui, bientôt minuit. Bon, bah c'était une journée bien remplie. C'est fait plaisir de travailler ici. J'avais un peu oublié hein, depuis hier, mais je suis content. Allez. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce, à commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas fait. Et on se dit rendez-vous au prochain épisode. Allez, à toutes!